petites explications. Coucou les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, c'était pour le groupe Zumba. Donc oui, on a des petites difficultés sur une chorégraphie, c'est pas grave, on va voir les petites explications. Je l'ai faite hier, mais je l'ai effacée. Oups, ça arrive. Là, pour le coup, c'est celle-ci qui pose problème. Ça va vous rappeler quelque chose. Alors. Mambo, donc baby mambo puisque c'est de travers, je tourne, pas chasse, même chose de l'autre côté, donc on reprend, donc là pour le coup, droite, reviens, je me recule pour qu'on voie un peu mieux pour les chaussures, donc là, avance, tourne, donc pour bien cibler, donc là j'attrape ma jambe, devant, reviens, tourne, pas chasser, toujours, je pars toujours avec cette jambe-là. Donc quand j'ai fini de tourner, du coup je fais un chasser. Donc je reprends, devant, reviens, tourne, pas chasser. Donc là pour le coup je pose le pied en chasser, d'accord? Donc là. Mambo, tourne et chassé. Ça marche? Encore. Mambo, reviens, pivot, pas chassé. Ça marche? De l'autre côté, à l'identique. Donc, mambo, tourne, pivot, pas chassé. Et oui, il y a une aléa. Bon, allez, tu te calmes. Pas le plus fort que moi. Oh. Mambo, tourne, pas chasser. Mambo, pivot. D'accord? Est-ce que ça marche? Donc là, pour le coup, donc, mambo, pivot, chasser. Même chose de l'autre côté. Mambo, pivot, chasser. Ça marche. Après, voilà, on verra pour les autres pas qui seront un peu compliqués, on va essayer de le mettre en musique. J'espère que ça va être assez compréhensible. On va changer le deuxième mouvement qui bloque aussi. Donc là, pour le coup, je vous laisse vous remettre un petit peu en arrière pour pouvoir bien s'entraîner. Et là, pour le coup, donc ce qui bloque, c'est croise. Les deux sont alignés. Et saut arrière après à la fin. Donc là, pour le coup, donc droite, croise devant. Côté, arrière, reviens. Pose, saute. Ça marche? Donc là, droite, croise devant, côté, arrière, reviens, pose, saute. Encore une fois,
arrière. Donc là, pour le coup, on revient en arrière quand on a fait en arrière, mais là, pour le coup, on n'est pas dans la situation. Donc, on commence droite, gauche, arrière, pause, droite. Et là, c'est là où avec ma gauche, saut arrière. Encore une fois. Hop, 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 saut. C'est à la fin, c'est quand tu es revenu à la fin du coup du mouvement. C'est-à-dire que tu pars, tu fais arrière, et quand tu reviens en place, tu sautes pour faire, voilà. Ok, ça marche. Donc là, pour le coup, ça fait droite pour le mouvement en arrière. Voilà le mouvement. Donc une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a fait ces deux mouvements-là, on comprend qu'on fait un aller et quand on vient au retour pour reprendre, on fait un saut en arrière. Ok, donc ça fait droite, gauche, pause et saute. Ça marche? Ok. Donc là, pour le coup, on y va progressivement. On va essayer de le mettre en musique, c'est mieux. Il n'y a pas trop de... Hop là. Pas. Oh là là. Mais non, vous n'êtes pas perdu, vous inquiétez pas. Donc là, pour le coup, contre pas. Donc là, pour le coup, je saute arrière, pause, pause. Ça revient à peu près dans le même genre de mouvement qu'on vient de voir. Donc là, saute arrière, pause, pause alignée. L'autre, saute arrière, pause, pause alignée. Saute arrière, pause, pause. Même chose dans l'autre sens. Donc là, saute, pause, pause, saute, pause, pause. Saute, pause, pause, saute, pause, pause. Est-ce que ça va? Ouais, pour le coup, ouais. Bon, j'espère que là, une fois qu'on aura tout compris, ouais, ce sera plus facile. Donc, je vous fais des gros bisous les filles. Bisous, bisous, bye bye.